mes mains pour tout faire. Avec ça, on va faire de la crème au beurre avec de la meringue italienne. Du blanc d'œuf monté, du sucre cuit à 121. Alors ma plus belle réussite récemment en pâtisserie, c'est Baptiste. Parce que ça fait 2 ans qu'il est avec moi, et il s'en sort comme un champion, et s'il continue à faire comme ça et pas se laisser marcher sur les pieds, il ira très loin. J'ai des gens qui viennent de Périgueux, de Sarlat. Il y a quand même 1 heure de route pour revenir. Vous avez une forme d'intégration au territoire d'après les calmer? C'est ça. J'ai essayé plein de recettes, pendant 6 mois j'ai essayé plein de recettes, plein de sortes de cuissons, four au chaud, four froid, reposer 1 heure, reposer 2 jours. Ça a toujours foiré jusqu'à ce que j'achète ma nouvelle machine à glace et que le pâtissier m'a dit « Ah mais tiens, regarde, je vais te donner ma recette » parce qu'il partait à la retraite. Il m'a dit « Je te donne ma recette, tu verras, ça va nickel. » Et depuis, ça va nickel. Il manquait un petit peu de beurre dans la recette, c'est tout. On va faire la détrempe le mardi. La détrempe, c'est le début de la pâte. On va la laisser dans le frigo jusqu'au lendemain, donc elle va commencer à pousser, elle va commencer à développer les arômes. Le mercredi, on y met le beurre, comme ça. Là. Le mercredi, on l'étale, on la forme en croissant, et on la cuit le jeudi. Donc c'est sur 3 jours. J'ai bien travaillé, mais croissant devrait faire à peu près 70 grammes. Quel talent, voilà. Moi, mes croissants à moi, ils sont tordus, ils sont courbés. Et il y en a des plus hauts, au moins des plus larges, des plus hauts, au moins des tordus, des machins. Exprès. Pas exprès. Vous voyez, ils ne sont pas tous roulés exactement pareil, donc ils n'auront pas forcément la même forme à la fin à la cuisson. Vous n'avez qu'un endroit où c'est tout là, exactement tous la même taille, c'est que c'est pas fait maison. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. On dit, tiens, la semaine prochaine, on va faire une mousse citron yuzu avec un chocolat carré crémeux et un biscuit d'Itaquoise à la noix de coco. Pâtisserie, c'est 500 g de lait, 500 g d'eau, 350 g de beurre, c'est faut tout peser là. C'est-à-dire acheter la bonne qualité chez un vrai artisan. Ça va vous coûter plus cher, mais ça sera tellement plus agréable à manger, à regarder et à partager que d'acheter de l'industriel qui n'aura pas franchement de goût, qui sera ce que tout le monde a. Une jolie tarte, c'est une tarte qui est bien chargée. Il y a beaucoup de fraises. Donc qui est bien rangée. Mais c'est vrai que maintenant, sur 10 artisans, il y en a déjà 7 qui font pas leur viennoiserie, il y en a 3 qui font pas leur pâtisserie. C'est vrai que ça devient compliqué. Mais après, c'est au client de choisir ceux qui veulent.